Enfin, cet accord doit aussi être étudié à l'aune de la présence loco-régionale française. La France est le seul État membre présent dans la zone Océanie-Pacifique depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. J'ai reçu une note du service de coopération régionale, à ma demande d'ailleurs, des relations extérieures du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Il y est souligné que, je cite, « si les pays et territoires d'outre-mer du Pacifique ne sont pas expressément mentionnés dans le texte de l'accord, sa mise en œuvre aura un effet indirect pour la Nouvelle-Calédonie, compte tenu des secteurs visés, de ses objectifs et des compétences de la Nouvelle-Calédonie. » En effet, les coopérations prévues par l'accord impliqueront de manière forte ce territoire d'outre-mer. La Nouvelle-Calédonie a une diplomatie régionale assez active, grâce notamment à ses délégués, qui sont des formes de diplomates néo-calédoniens, présents à Canberra, capitale australienne, mais aussi, je vais vous faire voyager, à Port Vila au Vanuatu, à Wellington en Nouvelle-Zélande, à Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et à Suva, Fidji. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a rendu un avis sur le projet de loi le 14 novembre 2019. Il a relevé que les stipulations de l'accord cadre ne soulevaient pas de difficultés particulières, je le cite aussi, et n'a formulé, s'agissant du projet de loi, aucune opposition à sa ratification, avec un point de vigilance, cependant, concernant le commerce du cobalt et des produits de la pêche, pour lesquels le gouvernement de Nouvelle-Calédonie souhaite sauvegarder, bien évidemment, son potentiel commercial face à l'Australie. Et les autorités françaises en sont parfaitement alertées. Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a également émis le souhait que la Nouvelle-Calédonie soit partie prenante aux instances de dialogue politique en matière de politique étrangère et de sécurité, compte tenu du fait qu'elle dispose du statut de membre à part entière du Forum des îles du Pacifique et de la Communauté du Pacifique, ce qui n'est pas le cas de l'Union européenne. L'importance pour la France de jouer tout son rôle dans la région et d'être moteur pour ses partenaires européens a été soulignée par le président de la République dans son discours en août dernier à la conférence des ambassadeurs, lors de laquelle il a appelé à se, je le cite, « mobiliser pleinement pour construire une stratégie française dans l'axe Indo-Pacifique ». L'accord cadre offre donc des mécanismes de dialogue utiles pour que la France puisse jouer ce rôle de puissance indo-pacifique, et cette utilité prend un relief particulier lorsque l'on songe par exemple au contrat conclu par Naval Group avec l'Australie en 2016 pour la construction de 12 sous-marins océaniques. Il s'agit pour notre relation bilatérale d'un projet structurant de longue durée. Il conviendra d'ailleurs qu'il soit soutenu par une présence française active et visible sur place. Plusieurs intervenants australiens ont attiré mon attention sur ce point. La France doit faire savoir qu'elle est présente en Australie. Je sais qu'au sein de cette commission, nous sommes nombreux à souhaiter l'émergence d'une Europe puissante, à tout le moins d'une Europe qui soit un acteur mondial. Et on comprend bien l'intérêt pour l'Australie de se rapprocher de l'Union européenne, alors qu'elle voit son voisin chinois prendre une toute nouvelle dimension dans la région. Dans cette perspective, il est nécessaire que l'Union européenne renforce sa présence dans la vaste et dynamique région de l'Asie-Pacifique. À cette fin, il apparaît que l'Australie est un partenaire naturel, qui est déjà un acteur incontournable pour stabiliser, pour pacifier, pour soutenir l'instauration de règles conformes aux principes et aux intérêts des Européens.